Mon avenir est un peu encombré. En tant que directeur de la classe, enfin, ce n'est pas pour tout mon avenir non plus, mais ça me prend du temps. C'est plus qu'honorifique. Mais ça rentre tout à fait dans ma propre réflexion et dans les relations que j'ai eues d'abord avec mes étudiants, ou ensuite avec la société elle-même, puisque l'esthétique, c'est une chose, mais je suis quand même soucieux de l'éthique, et je crois que c'est majeur dans une vie et dans une activité, et je suis soucieux aussi de ma relation à la société, essayer d'aider les gens, leur procurer du plaisir, du divertissement, les faire réfléchir. Et je pense que tout ça rentre très bien dans les activités que j'ai eues jusqu'à présent. Et je ne sais pas de quoi mon avenir est fait, puisque je m'attendais à rester professeur de dessin dans une école normale jusqu'à l'âge de 65 ans. Je ne m'attendais pas d'abord à devenir un peintre non figuratif, puisque je ne savais pas trop ce que c'était. Je ne m'attendais pas à être dans une école d'art, dans un atelier d'art graphique. Je m'attendais encore moins à me retrouver dans cette Académie royale dont je connaissais tout de même plutôt vaguement l'existence. Donc mon avenir, c'est un point d'interrogation, et je préfère les points d'interrogation, point final.